Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce mardi 11 janvier, c'est Jérémy Dalsop pour votre émission Bonjour CAC 40 et DAX 40 avec Admirals, il est 8h30. J'espère que tout le monde va bien, qu'on va passer bien sûr une bonne séance ensemble sur les marchés. On va se pencher sur le graphique dans un instant, mais d'abord bien sûr le calendrier économique dans un premier temps. Je vais juste rapidement l'actualiser. Pendant ce temps, je vous montre le webinaire aussi de ce soir. Hein. Bien sûr, vous avez encore 11h28 et quelques secondes pour vous y inscrire avec votre adresse mail ici. Du coup, on va parler ce soir des tailles, du coup, comment calibrer en fait, hein, quelque part, les trades selon votre stratégie, votre profil aussi, bien évidemment. Je vous parlerai aussi un petit peu de mon approche et on verra tout ça en détail du coup ce soir. Donc, n'hésitez pas, je vous repartage bien sûr dans le chat ici. Une dernière fois ce lien pour le webinaire de ce soir, je vais l'épingler directement et on va regarder du coup le calendrier économique et je viens vous saluer bien sûr sur le chat immédiatement après. Alors du côté ici du calendrier économique, on a attendu ce matin hein, les annonces suivantes, les ventes au détail annuelles et mensuelles côté italien à 10h et sinon ce sera directement à 11h20 en fin de compte avec le discours hein, ici de la BCE avec la présidente Christine Lagarde ici. Pour la matinée, clairement, ce sera un petit peu la seule chose qu'on a sur le calendrier économique. Cet après-midi, il y a un peu plus de choses que ça. On va avoir notamment ici, cet après-midi à 16h côté américain, l'indice du coup sur l'optimisme économique. Et on aura le témoignage aussi de Jérôme Powell du côté de la Fed à 16h. Il faut savoir que Jérôme Powell aujourd'hui aussi, bien sûr, va auditionner pour du coup reprendre la tête bien sûr de la Fed pendant encore 4 ans. Donc ici, ça sera intéressant de voir bien sûr tout ce qui va se passer pendant ce discours, pendant cette audition. Bien sûr, il va bien sûr souligner son engagement à empêcher une inflation plus élevée, etc. etc. Donc on verra aussi si les marchés n'en profitent pas pour réagir un petit peu à tout ça. Ce soir, variation de pétrole brut, hein, API tout simplement à 22h30 côté américain. Donc voilà côté calendrier économique, voilà pour le webinaire de ce soir. On se penche sur les graphiques dans un instant. Je viens d'abord vous saluer sur le chat ici immédiatement. Alors attends, je vois pas le premier message parce que j'ai épinglé ici. Voilà, c'était Bruno qui nous dit bonjour à tous avec plein de pouces. Bienvenue à toi Bruno, ça fait plaisir. Merci pour ton soutien à chaque fois. Ici Laurent aussi qui nous dit salut à tous. Bonjour Jérémy, je ne suis pas sûr de pouvoir rester, mais je resterai. Pardon, je regarderai aussi le replay. Bonne journée, pas de souci Laurent. Merci à toi aussi. Du coup, hein, bonne journée au passage, mais le replay, n'hésite pas si tu as des questions, il y a les commentaires aussi en dessous de la vidéo. À chaque fois, j'arrive immédiatement. Voilà, excusez-moi. Alors Annabelle également qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Annabelle. Christina également qui nous dit bonjour à tous, bonjour Jérémy, bonne séance. Je ne vais pas pouvoir rester, je passe juste un peu malade, mais un pouce bleu, je regarderai le replay du live. Merci, merci, avec plaisir Christina. J'espère que tu vas bien, en tout cas, hein, soigne-toi bien si tu es un petit peu malade. Et n'hésite pas si tu as des questions, pareil en commentaire du replay. Je te souhaite quand même une excellente journée. Annabelle qui nous disait prends soin de toi. Ouais, tout à fait, clairement. Michel qui nous dit aussi salut Jérémy, salut à tous, bienvenue à toi Michel. Christina qui disait merci beaucoup à Annabelle. Et Gérard qui nous disait aussi hello les tradologues, bienvenue à toi Gérard. Philippe également qui nous disait bonjour Jérémy et du coup à toute la team pouce bleu, merci beaucoup. Déjà 26 likes hein, sur le démarrage, ça fait plaisir. Clem qui nous dit bonjour à tous aussi, bienvenue à toi. Et Stalor aussi. Mohamed également qui nous dit bonjour. Tu nous disais du coup on n'est pas plus. Alors on est plus de 30 et seulement 10 pouces. Elle est un effort de chacun pour la communauté et du coup elle sera de plus en plus grande, je pense que tu voulais nous dire. Merci beaucoup Mohamed, ça fait plaisir, bienvenue à toi aussi. Islem également, Léa, on avait aussi Didier, bonjour Jérémy, bonjour à la famille admirable, bienvenue à toi Didier aussi. Zaraki également, bienvenue à toi. Damien, du coup Dos aussi, Ish, Matt et Arona, bienvenue à vous tous. Arona, tu nous dis aussi une bonne journée, un petit coucou en rentrant de ma garde et que les points soient avec nous. Merci beaucoup Arona, ça fait plaisir. Bruno également, bienvenue à toi, pouce bleu, tu nous disais bonjour, bienvenue à toi, merci pour ton like également. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. On va démarrer sur les graphes ici. Le JP225 côté asiatique avec la bourse de Tokyo, toujours en rejet des 29 100 points, direction le creux précédent et du coup le bout de cette mèche avec la zone support S1 du coup mensuel. On passe sur le graphique horaire. On va rajouter les points pivots hein, comme d'habitude avec la touche PVT. Je vais y arriver ce matin, boire un petit peu plus de café. Vous voyez bien qu'on est sorti de la zone de range tout simplement ici. Fausse cassure par là, fausse cassure par ici et ensuite on est parti bien sûr par le bas. Je vous avais parlé, hein, on arrivait du coup, hein, je vous avais parlé d'un biais directionnel, on arrivait par le haut, on aime sortir par le bas, ça se respecte ici encore. Impulsion, correction, on revient tester l'ancienne zone support ici à titre de résistance et on rejette un petit peu. Alors
Au cours de la séance asiatique, il ne s'est pas passé grand-chose puisque ça correspond un petit peu à ce passage-là qui tourne autour du point pivot justement et du PP S1 intermédiaire. Donc est-ce qu'on va ranger au final hein, ce matin côté européen ou est-ce qu'on va pouvoir poursuivre une tendance baissière ou au contraire initier une tendance haussière? C'est exactement ce qu'on va voir à partir de maintenant sur le DAX 40. Graphique journalier, on est sous les 16 000 points. Vous vous rappelez, on avait donc des impulsions, des corrections, des impulsions et des corrections toujours plutôt orientées à la hausse, clairement. Seul hic, c'est qu'on n'a pas su vraiment passer outre cette résistance hein, qui tournait autour des 16 275 points. Mais ça ne définit pas ici pour autant qu'on est dans une tendance baissière, hein, bien évidemment. En termes de vagues, ici, on est plutôt dans la tendance haussière. Par contre, on est quand même de retour sous les 16 000. La dernière ligne de défense des acheteurs se trouve ici dans cette zone-là, celle qui va être autour hein, des 15 825 points, 15 800 points, vous le voyez avec ces bouts de mèche ici, on est même descendu jusqu'au 720. Ça, c'est parce qu'il y a de l'amplitude et de la volatilité, mais cette zone, vous la voyez, elle est un petit peu ici, hein, le dernier creux qui avait maintenu ici justement les zones support pour repartir à la hausse. Là, c'est exactement ce qui se passe pour l'instant, avec déjà un petit peu de rebond. Donc, on est dans un entre-deux. Si on passe vraiment cette zone, eh bien, ça poursuit, sachant qu'en plus, les 16 000 points, comme je vous le disais hier, c'est réintégration de zone de range weekly, donc très très important vraiment pour retrouver un billet haussier intéressant. C'est déjà de 1 au-dessus des 16 000, mais on fera quand même super attention avec les sommets précédents. Donc ça veut dire qu'en ce moment on va quand même faire bien bien attention. On va descendre sur le graphique horaire, on va rajouter la touche PVT du mini terminal et on va s'apercevoir ici aussi que cette zone de range, on est arrivé par le haut, on est sorti par le bas et on est revenu aussi tester un petit peu en fait comme sur le JP 225 hein, on revient tester côté extérieur. Ici, l'ancienne zone support qui passe résistance, en plus autour du point pivot. Par contre, on voit clairement que pour l'instant, eh bien, on est en plein test de la zone et on se maintient par rapport au point pivot du jour. Ça veut dire quoi en termes de scénario pour nous aujourd'hui? Ça veut dire qu'on a un scénario tout à fait possible de réintégration concrétisée de la zone de range actuelle. Donc pour un prix médian, pour une borne haute testée. En cas de cassure, on fait quand même bien attention parce qu'en cumul des 16 000, on a la résistance R1 du jour. Et on voit bien aussi qu'on a des sommets et des mèches ici qui ont respecté en résistance et précédemment en support. Donc c'est une zone avérée, c'est une zone importante, bien sûr, on fait attention. Donc voilà pour un scénario haussier, bien sûr, au sein même, donc dans un premier temps, d'une zone de range. En cas de sortie sous le point pivot, on aurait les creux précédents et encore ce creux plus bas pour un élan baissier suivant la cassure initiale de la zone de range ici comme ceci, idéalement pour continuer. Voilà un petit peu ce qu'on a. Si on a du mal à se dégager ce matin, on pourrait tout à fait ranger entre le point pivot et le PPR1, du coup intermédiaire également ici ce matin. Donc on va passer sur du 5 minutes, on ira voir tout ça de toute façon en temps réel bien évidemment, puisqu'on fait la séance ensemble comme chaque matin, on va regarder ça. Et on va pouvoir évaluer en fait hein, le comportement du coup des actifs en temps réel. Je vous montre par exemple l'équivalence 5 minutes ici. Pour l'instant, un marché qui se cherche. On a eu un départ baissier possible ici. On repart déjà sur du range potentiel. Donc le marché se cherche avant l'open en fait. Et sur le graphique 1 minute, c'est un petit peu plus dissipé puisque on a un départ baissier possible. Ensuite, on a un range possible. On a une tendance baissière possible. Ensuite, un range possible. Et là, pour l'instant, pour autant, et déjà des extensions atteintes quasiment jusqu'au 161, puisque là on a atteint les 127 de Fibo, une tendance haussière initiée. Mais ça, c'est l'avant open, bien évidemment. Donc on fera attention à ça et on regardera. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi cette zone-là hein, qu'on va vraiment regarder, à mon sens, même comme ceci, pour savoir si en cas de cassure par le bas, on a déjà ces creux ici à aller chercher avant les suivants, et en cas de cassure par le haut, c'est la réintégration aussi de la zone de range. Juste un dernier élément pour compléter un petit peu le tout, j'ai envie d'aller placer un niveau prix médian dans la zone ici. Hop, on va faire ça comme ça, j'ai pas envie que ce soit sur tous les graphes, et on va regarder le niveau, ça va être en plus celui des 25. Alors, hop, petite erreur de manipulation je pense. On est du coup sur... Voilà, ça faisait beaucoup. Voilà, donc un prix médian autour des 15 925 dans cette zone de range. Donc voilà, là on a vraiment complété du coup les scénarios sur le DAX. On passe sur le CAC 40, un CAC 40 qui revient sur les 7 175, zone support majeure journalière pour moi dans un marché clairement toujours haussier, des sommets, des creux de plus en plus haut tout simplement sur la bourse de Paris. On va avoir ici le détail du graphique horaire également, dans lequel on s'aperçoit clairement que désormais les 7 175 vont faire office aussi
pour le moment en tout cas de résistance. Donc bien sûr jusqu'à preuve du contraire, hein, c'est je dis pour le moment, mais ça peut durer. On a une concordance parfaite quasiment avec le point pivot du jour, juste au-dessus le point pivot PPR intermédiaire mensuel. On avait cette zone réintégrée, vous vous rappelez, on a continué de percer par le bas et désormais sous les 7175. Donc si hop, je dézoome un petit peu, on a aussi cette zone précédemment en range. D'ailleurs j'ai quand même envie d'aller plutôt souligner cette zone là à l'heure actuelle, puisque c'est l'ancienne zone de range qui tournait autour du niveau aimant, là où on se trouve, donc d'actualité encore, voilà, comme ceci. Comme ceci, dans le sens où de toute façon, même si on casse, on sait qu'on réintègre la précédente. Donc là, hop, je vais laisser ça comme ça. Une zone qui va être déterminée un petit peu en fonction des 7190 pour les 7140 points, avec donc ce niveau clé, les 7175 points, un peu vers le haut, donc qui pourrait nous entraîner comme ceci vers des réactions pour un test du coup déjà des creux ici précédents, et en cas de cassure, des creux encore plus bas en fait. Et si jamais on casse, ça va ressembler à ça normalement en direction de l'AR1 du sommet précédent. Et on peut tout à fait aussi ranger dans la zone, mais ça sous-entendrait pardon, déjà un premier rejet burnout et notamment des 7175. Voilà pour le CAC 40. Pour ma part, on descend sur le 5 minutes. On va pour l'instant vraiment un test, deux tests déjà sur le point pivot et les 7175 points. Je vais aller chercher le CAC 40 aussi ici. On va voir si du coup il est dans un contexte particulier, celui d'un range en l'occurrence. On aurait besoin de sortir vraiment d'une zone de consolidation comme celle-ci à l'heure actuelle sur du coup le CAC 40 en équivalent 5 minutes. On passe sur la bourse britannique, la bourse de Londres, le FTSE 100. Le FTSE 100, il est bel et bien dans un billet haussier, hein, dans une tendance haussière au-dessus des 7375 points. On a le seuil des 7495 que je vous ai laissé puisqu'il était très intéressant aussi au cours de la séance précédente. Donc pour l'instant, voilà, billet tout simplement haussier. C'est sûr qu'on commencerait à avoir plus de mal. Hein. Quelque part, on commence clairement à ranger ici. Si on descend d'ailleurs sur le H4, est-ce que ça va se voir à travers ces niveaux-là? Oui, ça va se voir ici. Même si à l'intérieur, vous allez le voir sur le graphique orange, vous avez dessiné différentes petites zones. Mais en fin de compte, je vais pouvoir faire quelque chose comme ceci aussi. Hop. Voilà, parce que désormais on a 1, 2, 3 tests aussi sur la zone inférieure, on a quasiment 2 tests là aussi. Et en graphique horaire, en fait, on va avoir même plus de tests que ça, parce que vous voyez un double top ici, vous voyez un test là, un test ici, un test ici. Donc c'est vrai que moi je vous avais rajouté une zone, en l'occurrence à l'intérieur, si on veut nettoyer un petit peu le graphique pour ne pas surcharger, on peut tout à fait l'enlever. Voilà, c'est celui-là, hop. On peut tout à fait l'enlever puisqu'on peut tenir compte des creux ici et des sommets, hein, qui corroborent un petit peu de toute façon la réintégration de cette zone en l'occurrence. Alors, on rajoute les points pivots du jour. On s'aperçoit d'ailleurs que le point pivot du jour est non loin quelque part de cette partie médiane de zone de range. On va définir cette zone de range ensemble, les 7525 par le haut pour les 7425 par le bas. Zone support S1 PPR1 intermédiaire mensuel présent sur la borne basse, rien sur la borne haute à part cette résistance aux abords du niveau. Donc là, on va quand même faire bien attention, zone de range relativement large pour un graphique horaire en tout cas. On est légèrement au-dessus de la borne haute, on a des sommets à casser pour rechercher le test de l'AR1 et la borne haute. Donc ça, c'est des scénarios possibles à la hausse. En cas de passation à nouveau en sous le point pivot, c'est plutôt une belle zone support borne basse qui pourrait nous attendre. Et on peut aussi tout à fait ranger en cas de manque de volatilité ce matin sur le FTSE 100 entre les sommets et les creux actuels. On va passer sur le 5 minutes. Je vais aller voir ce que ça donne aussi. À côté, là, hop. Pour l'instant, un nouveau départ d'une tendance haussière possible avec un histogramme vert sur ce système ici. Parce que vous voyez, hop, on est monté, on a hésité un petit peu, mais là on recommence à pousser possiblement sur le sommet ML ici précédent. On a une extension ancienne de Fibo ici, 61.8 de Fibo qui nous attend aussi. On part sur les marchés américains. Je reviens rapidement sur le chat ici. On en était où? Hop, hop, hop. Je remonte un petit peu. Dos qui nous disait voilà, bonjour à tous, bonjour Jérémy et à Christina, bon rétablissement. Merci beaucoup, c'est très sympa. Dos Ish qui nous disait aussi bonjour, Matt également qui nous disait que penses-tu du Nasdaq? On va passer sur le Nasdaq justement, il n'y a pas de souci.
Arona qui faisait bonjour à tous et bonne année, un petit coucou en rentrant de ma garde. Alors je l'avais vu, pardon, excuse-moi, et j'étais un peu vite, mais c'est vrai que je te l'ai pas souhaité. Très très bonne année à toi, Arona. Plein de bonnes choses, plein de succès et tout ce que tu souhaites, bien sûr. Et la santé, attention aussi. Bruno qui nous disait, voilà, ça je l'avais lu aussi. Merci pour ton pouce bleu à nouveau, hein, Bruno. Ange qui nous faisait un petit smiley, merci beaucoup, Ange. David également qui nous disait bonjour à tous avec des likes, merci beaucoup à David. Bruno, tu nous disais bonne année, Arona, de retour, du coup, point d'interrogation. Et Ange qui nous disait bonjour et merci pour le travail. Avec plaisir, Ange. Avec plaisir, bienvenue à toi. Arona qui nous disait Annabelle, tous mes voeux. Laurent qui nous disait un petit bonjour de Haute-Savoie. Bienvenue à toi, Laurent, ça fait plaisir. Yo-Yo qui nous disait merci pour le live. Et bonjour, bienvenue à toi, Yo-Yo, je t'en prie, avec grand plaisir. Arona qui nous disait Bruno, je n'étais pas loin, vacances puis les fêtes. C'est la reprise avec un clin d'œil. Génial, Arona. Hamza qui nous dit aussi, quels actifs trader le matin avec une bonne volatilité comment dire, sans hésitation, voilà, je cherche mes mots, vous l'avez remarqué ce matin. Le DAX 40, très bien pour la matinée pour moi. Le FTSE 100 dans un second temps, mais encore moins de volatilité. Mais le DAX 40, valeur solide, j'ai envie de dire sûre. Il n'y a jamais de valeur sûre, mais valeur solide à travers le temps. Vous le voyez chaque matin, hein, les exemples que je vous fais en fait sont sur du DAX. Alors, ça dépend aussi de la manière dont on approche les choses. Moi, je ne réfléchis pas vraiment en nombre de points, je vais plutôt réfléchir en nombre de pourcentage de capital. Et en fin de compte, même si je vais ne faire peut-être que 10 points, du moment que moi j'ai alloué une partie de mon capital pour un trade qui fasse 10 points ou qui fasse 50 points par rapport à l'amplitude et à la volatilité, c'est-à-dire aussi à la taille du stop, tout ça va être proportionnel. Donc c'est pas parce que des fois on a moins de volatilité dans certaines fois et que du coup on a quand même des trades qu'on peut faire moins, parce que si on risque par exemple 50 euros sur 10 points ou si on risque 50 euros sur du coup 25 points, le risque est le même en fait. Et du coup, on peut profiter des marchés quand même. Myriam qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Myriam, ça fait plaisir. Laurent qui nous disait quel est le logiciel que tu utilises, Jérémy? J'ai téléchargé la version premium, mais du coup, ça se greffe sur MT5. Je n'ai pas la même chose que toi, merci. Alors, Laurent, si tu parles du graphique à l'heure actuelle sur lequel on est, c'est MetaTrader 5 édition suprême. Tu l'as sur le site internet, dis-moi si c'est de ça que tu parles, je te renverrai le site s'il faut. Mais si tu parles de ça, c'est le système Renko LTR que tu peux avoir en faisant une demande d'information à Admiral avec l'adresse mail, deuxième ligne du descriptif de la vidéo. Harmonie qui nous dit bonjour, bonjour. Quelle est la tendance de l'or aujourd'hui? Bienvenue à toi, Harmonie. On va regarder ça. Je regarde les indices américains et ensuite je passe sur le gold. Annabelle qui disait coucou, Arona. Merci à toi aussi. C'est parti pour un live de fou. En attendant, ce soir, tu seras là. Ça fait plaisir, Annabelle, que tu sois contente du coup de ce live et aussi pour l'événement de ce soir, hein, clairement. Genevis qui nous disait yop, bienvenue à toi. Soufia qui nous dit aussi bonjour, bienvenue à toi Soufia. On avait aussi du coup Mohamed qui nous faisait un petit coucou, bienvenue à toi. Laurent qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Laurent aussi. Domi également qui nous dit merci Jérémy pour tes lives, avec plaisir Domi. Merci à toi d'être là et bonjour bien sûr. Courage pour tes nuits, disait Annabelle à Arona qui nous disait du coup non, je suis de garde la nuit prochaine. Ah ça marche, dommage. T'auras un replay Arona, hein, c'est disponible sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Bruno qui nous disait du coup Arona, bonne reprise perso, ce fut difficile mais ça revient vite. Bonne nouvelle ici Bruno, ça fait plaisir. Dev qui nous dit bonjour à tous. Le Nasdaq, il a grave baissé hier. Non, on va regarder Dev, il n'y a pas de souci. Bruno qui nous dit bonjour. Jérémy, dis-nous à quelle heure on baisse de 200 points sur le DAX. On va regarder ça. J'espère que ça sera intéressant ce matin, clairement. Hervé qui nous dit bonjour à tous. Jérémy, max de pips et max de pouces. Merci déjà 50 likes, ça fait vraiment plaisir. Et Moana qui nous dit bonjour Jérémy, bonne année 2022. Bienvenue à toi Moana, ça faisait un moment. J'espère que tu as bien. Très très bonne année, plein de bonnes choses, la santé, la réussite bien sûr. Et Bruno qui nous dit Arona, quand viens-tu nous rejoindre chez les LTR? Excellent Bruno. Et Jérémy qui nous disait salut Jérémy, toujours sur GBP, CHF, bientôt la RR. Du coup, 12 validés. Ah, ton risk reward de 12, tu veux dire valider, ça, ce serait énorme, Jérémy. On ira voir ça si tu veux. Allez, on passe sur le S&P 500 pour se dépêcher, pas louper l'open ensemble. Le S&P 500, ici, il évolue sur les 4774 à peu près à l'heure actuelle. Donc, il est bien repassé sous les 725. Réintégration de la zone de range aussi journalière au passage après un double test sur des niveaux comme les 4810. On passe sur le graphique horaire rapidement. La touche PVT qui nous montre du coup les points pivots. Mais surtout, le plus intéressant ici, c'est l'ancienne zone de range qui a été cassée par le bas. Vous vous rappelez, je vous avais dit, on a par le haut, on sort par le bas potentiellement. En tout cas, c'est ce qu'on aime quand on veut exploiter une poursuite de la tendance. Donc, impulsion intéressante et même importante pour une correction relativement proportionnelle. On n'a pas fait les 100% de retracement, mais quand même. Et on revient en plus tester en fait côté extérieur la borne basse de la zone de range, donc ancien support qui passe résistance en plein test ici. À partir de là, des scénarios de réintégration possibles pour un prix autour prémédian en fait, hein, autour du point pivot mensuel ici, test de la R1 borne haute, ou sinon
petit range ici comme ceci, et sinon décalage pour un nouveau test du point pivot du jour, le PPS1, et ensuite la zone support S1 avec surtout aussi le dernier creux. Voilà pour les scénarios qui nous attendent sur le S&P pour aujourd'hui. On passe sur le Dow ici, aussi présent sous les 36 250. On a été chercher le test du point pivot mensuel, donc là on réintègre quand même un niveau important. On casse un creux mineur, c'est pas un creux majeur aussi important que celui-ci, mais on a quand même pas mal de retracement. Donc en fait, vraiment, les 36 250 sont très très importants, surtout quand on regarde ça comme ça. Vous voyez bien qu'on a cette zone, clairement ici d'ailleurs, que je vais décaler au cas où, hop, un peu comme ceci, qu'on avait aussi cette zone de range. On a cassé les deux en fait, la première en hésitant un petit peu, et la deuxième avec une belle volatilité, un beau décalage baissier hein, qui s'est fait. Et pareil, on revient tester en fait côté extérieur. Donc les scénarios sont les mêmes, soit une réintégration de la zone, soit du range ici entre les deux, soit un décalage par le bas. Alors je vous donne juste les niveaux de la zone de range aussi, avec le niveau clé ici des 36 125, et bien sûr ensuite c'est le point pivot avec les creux précédents. C'est là du coup que ça va être intéressant pour y voir soit du coup une cassure par le bas, soit du coup la réintégration, et en attendant du range entre les deux. Sur le Nasdaq 100, ici on a même été cassé les 15 650 points hier, mais vous voyez bien qu'on est revenu rapidement, puisqu'on a sur cette bougie journalière, donc sur la séance complète, on a en fin de compte une mèche énorme par le bas, on a un corps bleu, donc ça veut dire qu'on a fini sur la séance à la hausse quand même, et on est déjà sur un test à nouveau des 15 650. Donc la zone 15 500, pardon, 15 650 toujours d'actualité. Grosse messe, excusez-moi, mèche rejet ici, et du coup on va voir si c'est pas pour mieux réintégrer la zone de range, ou si c'est juste un dernier test pour ici relancer la baisse. Voilà, ça c'est déjà d'un point de vue journalier. D'un point de vue horaire, je vais rajouter la touche PVT ici aussi. Vous voyez que l'ancienne zone de range ici était cassée, la nouvelle aussi, et on a été réintégrer en fait le range très très rapidement pour tester donc à nouveau les 15 650. Trading en range entre la zone support S1 ici mensuelle qui passe résistance et limite le point pivot, j'ai envie de dire, du jour possible, donc borne haute pour borne basse dans la zone. En cas de cassure la zone support, c'est déjà un test R1 borne haut de l'ancienne zone de range, mais ça ne veut pas dire qu'on est sur une super tendance. On pourrait encore ranger dans la zone avant de casser par le haut. Si on casse le point pivot du jour, par contre, voilà, on a une zone support S1 intermédiaire mensuel, et la zone support S1 du jour également intéressante avec le creux précédent à regarder. On passe enfin sur le gold. Je reviens rapidement sur le chat. Je vais me dépêcher. Déjà 53. Je suis un petit peu en retard ce matin. Du coup, on avait Annabelle qui nous disait Laurent, son graphique et Kenashi. Du coup, est-ce que c'était ça ta question? Alors, ça dépend. Ici, par exemple, oui, sur le gold, c'est du Ekenashi, hein, bien sûr. Sinon, c'est le système Renko LTR, et c'est pas Ekenashi, c'est des Renko. Mais je dis ça parce que souvent, on m'a fait la remarque, on pensait que j'étais sur des graphiques Ekenashi sur mon propre système, alors que c'est pas le cas. Mais je pense que tu le savais peut-être, hein, Abel. Jérémy, voilà, tu nous avais dit ça. Renforcer ma position, départ de fin de semaine dernière, tu nous disais pour un risk ratio de 12, Jérémy. C'est énorme, hein, quand même. C'est un très très beau ratio. J'espère que tu vas l'atteindre, clairement. Panda qui disait bonjour à tous. Merci toujours. Du coup, pour les lives, Jérémy, avec plaisir, Panda. Alors, je finis juste, j'avance un petit peu, je finirai sur certaines analyses dans la séance pour pas louper l'open avec vous. Le gold en journalier, il rebondit depuis deux creux précédents autour du PPS1 du jour. Le contexte n'a pas changé pour moi. 1830 $ l'once d'or par le haut, 1720 $ l'once d'or par le bas. Gros range journalier, clairement. Et à l'intérieur de ça, du coup, on évolue. On ressort de la zone de range ici par le haut avec un premier rebond. Ça n'a pas suffi. Un deuxième rebond pour un véritable élan haussier de retour ici. En train de casser, enfin, qui a déjà ici ce gold cassé la R1, mais qui est en train de tester surtout la zone R2 des points pivots du jour. Donc là, clairement, en graphique horaire, tendance haussière en attente de zone de retracement. Ici, on a quelque chose, on a un sommet, on a un point pivot mensuel. On pourrait même retracer plus profondément s'il faut, mais voilà, on est plutôt dans l'attente d'un marché qui évolue à la hausse. Et si je vous montre justement le système ici, depuis hier, on a eu un retracement, deux retracements, trois retracements, quatre retracements. À chaque fois, on va chercher 61,8 de Fibo, 61,8 de Fibo, 61,8 de Fibo, 61,8 de Fibonacci automatique ici. C'est très joli. Alors ça s'est passé en fin de soirée et dans la nuit bien sûr, mais ça nous a décliné vraiment une très très belle tendance haussière qui va peut-être justement se remettre un petit peu en cause, puisqu'on est bien monté jusqu'à présent. Donc on va descendre sur du 5 minutes et surveiller le gold aussi un petit peu ce matin. Hier, je vous ai fait un exemple justement sur le gold. On passe sur le Brent côté daily, tendance haussière, vous vous rappelez, à travers de 1, un grand canal haussier important. Si je dézoome, vous le voyez là. De 2, on est reparti au-dessus des 77,50 en faisant des sommets, des creux de plus en plus haut. Par contre, on reste limité vis-à-vis de ce sommet et de la R1.
mensuel, donc ça se pose un peu plus de questions. En regardant déjà le graphique horaire, on va s'apercevoir que la zone de range ici est toujours d'actualité puisqu'on est en train de tenter la réintégration avec le maintien un petit peu du point pivot. Donc en termes de scénario, c'est réintégration possible pour la zone R1 et ensuite R2 avec la borne haute, soit un petit peu de range ici. Et si on arrive à casser le creux mineur, en tout cas le bout de cette mèche qui est en train de se mettre en place avec le point pivot, on pourrait aller tester le creux précédent avant la zone support S1. Voilà les scénarios horaires en tout cas que je vois aussi sur le pétrole. À 4 minutes, on va faire l'euro dollar, le GBPUSD, on fera le reste en séance, c'est promis. On regarde ici toujours la même chose en graphique daily, l'euro dollar avec son range important 1,1375 par le haut, 1,1225 par le bas. Donc toujours pour ma part, hein, sur vraiment cet horizon de temps daily, toujours de la consolidation. Quand on regarde le graphique horaire, on rajoute les points pivots ici du jour avec la touche PVT, on avait cette zone de range qui a été du coup cassé, grosse impulsion, on revient tester la borne basse en accord avec le support du jour ici et on repart un petit peu up comme ceci pour le moment. Donc là, important de voir si on arrive à se sortir en fait des derniers sommets et des derniers creux présents. En plein milieu, on a un petit peu des points pivots mensuels, un petit peu des points pivots journaliers, j'ai envie de dire. Donc soit en range comme ceci, soit on arrive à se dégager, soit pour un test sommet de la R1, soit pour un test creux avec le support S1 et au passage en niveau intermédiaire, le PP S1 ici aussi. Donc ça, on va faire attention. Je vais vous mettre ça comme ça, puisqu'on a quand même des tests. On a quelques tests, hein. On a ici un test, là un test, ici un test et là un test. C'est pour ça qu'on peut y voir aussi simplement une zone de consolidation aussi sur l'euro dollar. Donc définis cette zone entre les 1,13 45 par le haut et les 1,1320 par le bas. On ira voir ça bien sûr. Je vous montrer un petit peu où on en est sur un graphique. Voilà, 3 pips, hein, c'est pas l'équivalence ici, mais un graphique 3 pips, on est plutôt dans la tendance baissière, mais avec un gros retracement. Regardez, on a ici fait un retracement de 100%, en fait, tout simplement de retracement. On est toujours sous pression dominante vendeuse possible, mais il faudrait réussir à s'extirper de cette zone support qui commence à rejoindre de plus en plus le prix aussi. Donc ça, c'est l'euro dollar. Vous voyez bien, hein, quand on passe sur du 5 minutes, on a un test aussi, deux tests, trois tests. Cette zone-là qui va être faire office pardon, vraiment d'obstacle et de résistance pour le moment sur l'euro dollar. Côté GBP/USD, tendance haussière qui se poursuit. On est en train toujours d'être sur le seuil test des 1,36 qu'on avait mis ensemble. La tendance haussière est toujours présente. On part sur le graphique horaire, justement, la touche PVT qui nous montre qu'on est au-dessus du point pivot, qu'on a une R2 qui est pas loin. Donc attention, on est dans une zone de range en train de tester la borne haute, non loin des 1,36 et en plus d'une résistance R1 proposée hein, ici par les points pivots Admiral sur les 1,36,05. Donc là, attention, même à des fausses cassures avec des mèches comme ceci possible pour une meilleure intégration, une cassure comme ceci serait quand même plus convenable, bien évidemment. Donc trading en range possible, borne haute pour borne bas jusqu'à preuve du contraire, en cas de cassure break, comme je vous disais, plus intéressant au-dessus de la R1 et sinon en dessous de la zone, on a aussi la zone support S1, PPR intermédiaire, le creux précédent pour un break baissier. Vous voyez bien qu'on a déjà eu des tests ici importants aussi, donc on fera attention à cette zone aussi si on casse quand même par le bas. Je vais vous montrer aussi le graphique 3 pips du coup du GBPUSD, pareil, qui est dans un retracement baissier important, donc dans une tendance baissière, dans un retracement important. Mais vous voyez la première ici, barre grise, qui nous indique désormais, attention, on est dans un range tout à fait possible ici sur le GBPUSD à l'heure actuelle. Donc on va faire extrêmement attention à ça aussi. On va se rapprocher de l'open, il est 8h59, on ira voir le reste des actifs ensemble par la suite. Pas de soucis, dites-moi si vous avez des actifs aussi que vous souhaiteriez voir dans cette séance. Je suis en train de remettre les graphes en place pour ne pas louper l'open avec vous. Donc ici, attention à un range, du coup une tendance qui a du mal à se trouver. Alors même si en 5 minutes, on a déjà breaké les 900 quasiment, voilà, les 15 900, on est sur les 910. Moi j'ai un graphique équivalent 5 minutes qui se cherche pour l'instant en termes de tendance. Donc je vais faire attention, c'est le petit graphique qui est en tendance déjà. Mais ça c'est juste avant l'open, je préfère voir la réaction aussi des marchés via l'open. Le CAC 40 qui en attendant est reparti sur un billet haussier potentiel. On parle de la cassure des 7175, mais attention à cet obstacle proche aussi avec les 190 légèrement au-dessus borne haute de zone de range. Ça y est, l'open est en train de se faire, on a des petites bougies noires qui apparaissent. On va voir comment les marchés réagissent, si on peut continuer sur la hausse. Mais on a aussi les 925 parties médianes de la zone de range précédente qu'on ne va pas oublier sur, bien sûr, le DAX. Alors, je reviens sur le chat hein, dès que possible. On va voir comment les marchés réagissent sur Open. Je repars sur du range potentiel, sur l'équivalent CMA intention.
Moïse qui nous dit bonjour tout le monde, bienvenue à toi Moïse aussi, il y en avait qui nous dit Jérémy, de toute beauté, Panda qui nous disait, bon, ah oui je l'avais lu, pardon, excuse-moi, Xtose qui nous dit salut Jérémy, salut le chat, bonne séance à vous, merci beaucoup, bienvenue à toi aussi Xtose, les marchés qui vont se chercher un petit peu pour l'instant. Il y avait déjà un petit peu de rebond, mais ça allait très vite. Ça allait très vite. On va voir si ça peut se maintenir sur le DAX à la hausse. Mais là, ça range. C'était plutôt du petit trading en range qu'il y avait à faire, mais c'était très, 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 très rapide. Il y a plein de bougies noires ici. Le CAC à la hausse, mais sur la borne haute de son range. Attention. Si on continue de monter sur le DAX, on passera dans une tendance haussière avérée sur mon équivalent 5 minutes. FTSE 100 est en plein milieu d'une grosse zone de range quand même. Hubert qui nous dit bonjour à tous du pack à bon trade, merci bienvenue à toi Hubert. Bobo qui nous dit aussi bordel, non pas encore la messe, je suis déjà allé ce matin en rigolant. Mohamed qui nous dit bonjour Jérémy, c'est la première fois que je suis votre direct sur le trading. Ça fait plaisir Mohamed, merci, bienvenue à toi en tout cas. N'hésite pas si tu as des questions, tu nous disais il faut que je suis un débutant. Tu nous disais que je n'ai jamais tradé, difficile de comprendre, mais j'avoue que j'aime bien ce truc. Pas de soucis Mohamed, si tu débutes. T'es aussi au bon endroit, n'hésite pas à me reposer certaines questions. Tu vois ici, bien sûr, au bout d'un moment, on est dans un certain rythme. J'avance assez vite sur les analyses le matin pour être prêt sur l'open, mais après, on a plus de temps aussi pour parler, je veux dire respirer, mais pour pouvoir voilà, aborder des topics aussi intéressants et qui peuvent être recherchés. Alors, on va voir ce matin comment ça se présente. Si on a de la hausse possible. Ça hésite quand même un petit peu. On a quand même un CAC 40 aussi, un FTSE 600 aussi et un DAX qui vient de passer à la hausse aussi. Bobo qui nous dit ah bah tu fais à la seconde. Excellent, c'est vrai que ça va un peu vite. Des fois, Euro GBP, please. Ça marche. On va aller voir l'Euro GBP dès que possible. Est-ce que je l'avais déjà sorti? Ouais. Rapidement l'euro GBP. Donc l'euro GBP est bel et bien en tendance baissière, mais proche de son creux journalier précédent. Sur le graphique horaire, tu vas t'apercevoir qu'on est clairement dans un range. Mais on en avait parlé, je crois, l'autre jour. On en avait parlé, regarde ici, on est toujours dans un range. Toujours dans un range dont la borne basse va se trouver présente hein, sur les 0,8335 et une borne haute pour moi qui va tourner autour des 0,8365. Voilà pour l'euro GBP. Donc en attente ici de voir si on a plus de poursuites. Le biais directionnel est bel et bien aussi pour l'instant, mais il a du mal à confirmer. Le CAC 40 qui tente la sortie, le break par le haut au-delà déjà des 175, mais même des 185. Relativement hésitant. Le CAC 40 qui a envie de pousser. Mais je vais vous montrer, hein, le CAC 40, il est déjà élancé. Hein. Il n'y a pas de retracement. Il est déjà élancé depuis ce matin, 8h48. Donc 9h48 heure de la plateforme. Donc voilà, je vais tout simplement patienter. On est en train d'être sur les 925 déjà sur le DAX.
Alors, regardez, on a un scénario déjà en place. Ici, il faudrait aller atteindre les 33,06. Alors, je fais attention hein, de placer bien mon premier TP, puisqu'on est proche des. On est en plein autour de la partie médiane de zone d'orange aussi. Donc, on va faire attention à ça. On est passé à 1 mm pour ma part, pour l'instant, d'aller déclencher le premier TP. Voilà, on va zoomer un petit peu. On a une extension symétrie de marché présente. Sinon, sur les 60, on a le seuil des 50 au passage. Bon, on verra comment les choses évoluent. Ici. Oups. Alors attendez, je vais remettre tout ça en place. Excusez-moi. Tac. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. On a les 61,8 de Fibo aussi. Donc là, une target qui est tout à fait raisonnable sur les 33-34. Mais le marché qui veut déjà respirer. On va voir ce que ça va donner. Peut-être une première respiration sur le CAC 40 justement. Alors ça retrace un petit peu, ça respire en fonction justement du seuil des 25. Annabelle qui nous est pas urgent. Petite question technique, j'ai perdu ma barre de dessin du coup sur la plateforme. Comment la remettre? La barre dessin du coup sur la plateforme. Alors attends, regarde, on va regarder ça. Donc c'est la barre, je pense, où tu as tout ça, hein, bien sûr. Tu as dû la sortir comme ceci. Donc si jamais tu l'as... Alors même si jamais tu l'aurais supprimé. Alors si tu l'as juste quelque part comme ça, bien sûr, juste tu la retires, hein, bien sûr. Hop, tu la reglisses comme ça. Sinon. Tu vois, si tu l'as plus comme ça, tu fais un clic droit sur la barre et tu cliques sur courbe. Ça te permettra en fait d'avoir tout simplement la courbe des dessins qui revient. Jolie hausse sur le GBP/USD. Ici, je l'avais pas vu. Hop. Ça monte bien. Ça monte bien. On est aussi ici dans une tendance haussière désormais. Même déjà proche de l'extension 61,8 de Fibo. Hein. L'air de rien, ça a boosté sur l'open ici. Enfin, même un peu avant. Hein. Regardez ici un petit peu avant. De toute façon, on n'était pas encore dans une belle tendance. Donc un stop loss de toucher ici, donc un trade perdant pour l'instant et un deuxième trade. Donc deux trades perdants ici pour l'instant pour démarrer la séance. Par contre ici, on a quand même du retracement qui peut être intéressant. Et là, on va désormais être dans un range supposé. Donc on va faire attention à ça. Retracement super profond aussi sur le CAC 40. Donc un marché qui rejette la partie médiane du range précédent pour l'instant. C'est vrai que c'était plus risqué, hein, clairement. C'était plus risqué, mais on est passé à 1 mm du TP1, ce qui aurait suffi pour sécuriser. Et on revient déjà donc sur une zone comme les 900, en fait, qui représente borne basse d'une zone de range. Hop. Alors, attends, on va remettre ça en place. Non, borne basse ici, elle est sur les 880. Ça, c'est la borne haute cassée de la zone de range précédente qui est en train de tester, soit pour une réintégration, soit pour un rebond. Je vais remettre le DAX ici, voilà. Le CAC 40 qui reviendrait aussi sur ses 7175 points. En plein test des 895 pour l'instant ce DAX.
Est-ce qu'on va réintégrer les zones ou est-ce qu'on va pouvoir les respecter? Le GBPUSD qui a fait une belle capture en tout cas, ici, pile poil 5 minutes après l'open. On va regarder l'euro dollar du coup. L'euro dollar qui est sur la tentative de cassure des 1,1345 pour l'instant. Le gold ici, toujours limité par ces derniers sommets. En fait, on est en train de consolider hein, clairement ici comme ceci. Hop. Un triangle du coup ascendant comme ceci. Et on a la résistance R2 juste au-dessus. Donc attention quand même. Donc pour l'instant ici ça rebondit quand même. Ah tiens, intéressant justement. Alors ici du coup un premier TP d'atteint sur le M1 aussi. Hop ici même deux TP d'atteint, ça y est. Donc je vais pouvoir maintenant hop, ici sécuriser un petit peu le tout. Je remonte le tout ici quand même pour sécuriser. Voilà, je vais pouvoir remonter encore un petit peu. Sécuriser mon scénario ici. Même si on partirait sur la tendance baissière ici pour l'instant, ce qui aurait pu être en soi un argument où je sorte entièrement de mes scénarios, on reste pour l'instant potentiellement ici sur du rebond encore du coup sur le DAX. Donc on va surveiller ça. Donc on tient quand même hein, pour l'instant les 900 et les 895. C'est pour ça que j'ai eu d'autres scénarios derrière en rebond qui étaient tout à fait possibles. Et pour l'instant qui fonctionne, on va voir jusqu'où du coup on peut aller comme ça. Je vous remonte ici pour l'instant sécurisé du coup sur le premier trade ici c'était du 13 points. Donc maintenant je vais risquer que 9 points à peu près. Et ici j'ai un TP1 et un TP2 de 7 points et de 16 points. Donc ici aussi sécurisé. Donc je vais même pouvoir commencer à sécuriser un maximum le tout. Hein. Deux trades perdants pour démarrer. Ici un bel exemple, je trouve aussi pour voir la réaction qu'on peut avoir. Parce que bah, quand on démarre une séance avec deux trades perdants, c'est pas facile. Si on s'arrête à l'émotion justement, et si on s'arrête au fait tout simplement de se dire voilà, j'ai démarré deux trades perdants, ça commence mal. Pas forcément, on peut tout simplement avoir une très bonne séance qui démarre par des trades perdants comme ça. On est sur le point sur les 29 d'aller chercher le deuxième TP sur ce scénario-là. Alors c'est même le sommet précédent. Ah, j'aurais pu le baisser sur la bougie d'avant, on va voir. On va voir ça. Je vais me placer break even. Hein. Hop, break even ici, break even par là. Ça, je ne risque plus rien sur ces scénarios en cours qui sont déjà en soi gagnants. On va juste voir ici, c'est vrai qu'il a du mal avec les 29, le sommet précédent. Une petite sécurité avant aurait été une bonne idée. Maintenant, si je descends, hop, je vais sortir au prix actuel. Donc, au moins que ça remonte un petit peu. Au moins que ça remonte un petit peu, on va voir ça. Voilà, ça corrige un peu. On va attendre de voir si on peut revenir chercher le sommet précédent, par exemple. Mettre un petit peu comme ceci ici. Le TP et l'ajuster. Donc voilà un exemple aussi comme quoi là, on peut finir sur des belles séances. Alors pour moi, c'est pas forcément encore une super séance, dans le sens où j'ai récupéré déjà avec des scénarios intéressants derrière. Mais ce que je veux souligner par là, c'est que la psychologie impacte énormément le trading. Ça c'est clair. Et à partir de là, démarrer sur des pertes en séance, c'est un challenge aussi au niveau de la psychologie. Donc tout, là, en fait, ce qui va suivre dans la séance dépendra de votre réaction aussi. Est-ce qu'on va rester sur un échec? Est-ce qu'on va continuer et garder son sang-froid? Ou est-ce qu'on va continuer et essayer de faire du revenge trading, etc. et tomber peut-être encore dans une situation bien pire? C'est les scénarios aussi que vous pouvez avoir hein, quand vous faites vos séances. Donc il faut faire clairement attention à ça. On est passé à 1 mm. Allez, j'ai envie hop, quand même de le sortir celui-là.
sur du 17 points. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir continuer de gérer l'évolution ici de ces trades, clairement. Voilà, donc de la hausse pour l'instant pour moi sur le DAX. Il y avait une belle hausse aussi hein, sur le GBPZ. On va voir s'il y a de la respiration. Le CAC 40 qui a du mal à se décider. Tous mes stops sueurs sont désormais placés sur les 911. Voilà, un petit peu près. Si je voulais essayer vraiment de garder le scénario le plus longtemps possible, je pourrais les rabaisser un petit peu même. Pour l'instant, ça se tient, on va voir ça. L'idéal pour moi serait désormais de réussir à percer les 925 pour que je sois dans une situation où je puisse aussi, pourquoi pas, aller tenter de suivre le marché jusqu'à la borne haute. Puisqu'on réintègre, hein, vous le voyez ici, l'ancienne zone de range, pardon, aussi. On va voir si le marché, du coup, nous permet de le faire. Pour l'instant, ça hésite quand même beaucoup, ça retrace. Regardez, hop, mes stops sueurs qui sont placés ici. On risque de les atteindre sur les prochaines bougies. Si c'est le cas, ce sera une sortie finale de 3 points et de 5 points. Bon, je vais revenir sur le chat, hein, immédiatement. Hop, regardez, voilà, sortie sur le stop sueur de 3 et de 5 points. Donc des scénarios quand même en sortie partielle intéressante du 11 points, du 17 points sur le M5. Et ici, c'était du coup du 6 points, du 14 points et du 3 points pour aussi du coup finir ça. Hop, ici, un marché qui va se poser de plus en plus de questions. Si on redescend un petit peu trop sur le DAX, on part dans un range. Voilà, hop, ici, j'ai la première barre grise qui apparaît. Début d'une tendance baissière même possible sur le graphique. Du coup équivalence 1 minute. On a du mal à pousser sur le FTSE 100, le CAC 40 qui est dans un range également ici. On va regarder le gold qui continue de monter mais qui était déjà très haut. Le GBPUSD dans une tendance haussière qui a du mal à continuer. Et un euro dollar qui a toujours du mal à poursuivre sa tendance baissière possible. Alors je vais revenir sur le chat maintenant, désolé ça a pris un petit peu de temps, il y avait pas mal de choses. Hervé qui me disait du coup idem pour moi débutant du direct et du trading, pas de soucis, bienvenue à toi aussi Hervé. Alors du coup n'hésitez pas si vous avez des questions en particulier. Ce qui se passe du coup sur cette chaîne YouTube tous les matins de 8h30 à 9h, c'est qu'on regarde tous les marchés. Je vous donne des billets directionnels, mes interprétations en tout cas des billets directionnels sur les actifs, sur du journalier, on passe sur du graphique horaire. Et ensuite du coup on passe sur des graphiques 5 minutes pendant les séances et avec aussi mon système que je présente dans ces séances. Comme ça, on a une idée des marchés de manière globale, pour les marchés aussi que ceux, certains marchés peut-être qui vous intéressent plus que d'autres. Et ensuite, de 9h à 10h, séance de trading avec des démonstrations des outils, comment utiliser les outils, comment du coup gérer les choses, des démonstrations qui peuvent vous donner des idées et vous permettre d'en apprendre toujours un petit peu plus. Ce soir notamment, je vous ferai des démonstrations aussi sur le mini terminal ici. Donc ça, il y a un dur range, attention, sur le DAX en équivalence 5 minutes. Début d'une tendance baissière aussi ici sur le graphique qui lance 1 minute et du range sur le CAC et le FTSE 100 pour l'instant. Mais voilà, je vous donne le contexte aussi hein, vraiment en temps réel des marchés sur lesquels on est. JMC qui nous dit salut Jérémy, merci beaucoup pour tes lives et tes conseils. Bienvenue à toi JMC, ça fait plaisir, merci beaucoup pour ton message. Tu nous disais comment fait-on pour ajouter les points pivots mensuels, please. Très simple ici dans l'édition suprême chez Admirals. Pardon, ici. Alors, si tu as téléchargé ou pas encore, je vais t'envoyer le lien sur le site internet directement. Hop, ici, dans plateforme, on va avoir MetaTrader, tac, 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 édition suprême. Donc, je t'envoie ce lien, hop, ici. Une fois que tu l'as téléchargé et que tu l'as installé sur... Tu verras, c'est une installation très, très simple hein, sur MetaTrader 4 ou 5, selon celui que tu veux. Tu vas avoir tous ces indicateurs Admiral et tous ces Expert Advisors Admiral sur ta plateforme. Donc ici, les points pivots mensuels que je mets sont mis en fait avec l'indicateur Admiral Pivot. Soit tu le tires, tu le mets sur le graphe, ça t'ouvre cette fenêtre et tu choisis par exemple ici ta time frame en mode monthly ou en mode weekly ou en mode daily, ce que tu veux, ou même 30 minutes, etc. Et tu auras ces points pivots sur tes graphiques ici.
Alors, est-ce que la hausse est de retour après avoir fait un petit peu d'hésitation? On est toujours dans du range pour l'instant. On a même une possible tendance baissière en devenir sur du coup le petit graphique, mais ça commence à retracer très profondément. On va peut-être avoir un début de hausse aussi. Regardez ici sur le CAC 40. Voilà, ici retracement très profond. Là, on va repartir sur de la cassure de sommet. Donc, le biais directionnel préférentiel pour moi ce matin est clairement haussier. Hein, comme vous l'avez vu, j'ai pas pris de short sur le DAX ou quoi que ce soit. On repartirait voilà, sur de la hausse aussi sur le CAC. Possiblement, hein, si on pousse encore sur le FTSE. Le gold, lui, il est déjà à la hausse, comme je vous le disais. Le GBP/USD aussi. L'euro-dollar, non, par contre. Voilà, donc on passe le seuil des 925. Dommage qu'on ne l'ait pas fait plus tôt, mais ici le marché des fois a besoin de respirer, besoin de consolider avant de continuer de breaker. Donc là, on est dans de la relance de la hausse au-delà des 925. On a une borne haute zone de range idéalement présente à placer autour des 70. Attention quand même aux 950 niveau intermédiaire en direction de cette zone haute. Dos qui nous dit Jérémy, je voulais savoir si tu vois aussi sur le DAX en D1 une épaule tête épaule. Alors attends, hop, le DAX en D1, on va aller voir ça. Une épaule tête épaule. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors tu as une épaule ici, une tête ici, tu as une épaule en attente en fait de se faire. Et voilà, de toute façon, c'est vrai que ça correspond avec ce que je disais tout à l'heure. Hein. Les creux ici, si on passe cette zone qui faisait office du coup de support ici, enfin pardon, de résistance bien sûr ici, de support, c'est une ligne de coup qui correspondrait, si on a une belle épaule ici bien sûr, à une épaule tête épaule, mais sinon c'est tout simplement une zone de structure cassée qui passerait après être support bien sûr résistance. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. L'épaule ici est en attente en fait. Voilà, on retrouve du biais haussier sur le CAC et le DAX pour l'instant. Seba, j'ai pas eu le temps de voir ton message. Du coup, Panda qui nous dit, du coup, pourrais-tu nous faire une petite démo de l'utilisation des retracements de Fibo, s'il te plaît? Yes. Alors, on va voir si on a un exemple live. Pourquoi pas, ça serait bien. Alors, un exemple live que j'ai déjà pris ici. C'est ces retracements de Fibo là. Tu vois, par exemple, là, tu avais les 60. Ici, regarde, je vais te montrer les 78,6. Hop, tu as en fait ici, si tu veux, tous les retracements que j'ai décidé de mettre ici avec les extensions aussi. Donc là, le plus grand, c'est 78,6. On est revenu tester un retracement donc, dans un marché haussier. Et du coup, ici, petite opportunité pour aller jouer ici, par exemple, tu vois, une, deux, trois bougies et après 4, 5 bougies. TP1, TP2 en fait, hein, tout simplement. Ça, c'est du retracement automatique. Quand on va parler du coup de retracement manuel sur les graphiques en temps, ça va ressembler plutôt hop, à ça. Alors, on va regarder ce qu'on a là, par exemple. Tu peux prendre ici ce creux-là, par exemple. Hop, et tu peux prendre par exemple ce sommet-là, ce qui te donne cette zone de Fibo ici. Et là, tu vois par exemple que tu es venu aussi autour des 61,8 de Fibo, et là, tu as bien sûr la zone aussi 78,6, hein, clairement. Un petit peu travaillé, et là aussi tu as du rebond par exemple. Mais la difficulté quand on utilise ce genre de choses directement sur des graphiques en chandelier japonais, c'est d'identifier le bon creux, le bon sommet. C'est pour ça que sur graphique Renko Alter c'est plus simple, et c'est pour ça que j'ai même du coup automatisé hein, cette reconnaissance de retracement de Fibo et d'extension de Fibo, histoire de ne pas avoir vraiment, enfin de vraiment de ne pas se poser de questions en fait, et de ne pas avoir d'hésitation dans l'étude des Fibonacci en fait. En train de respirer, de tester les 15 925 ici. Ça retrace beaucoup sous la zone. On va voir ça. Je remets en 5 minutes. On va regarder ce que fait aussi le CAC. Il a du mal hein, à s'affranchir des 195, hein, vraiment le CAC. Et au final, le DAX a du mal avec les 925 aussi.
Ça bloque ce matin pour l'instant. On va peut-être assister à un maintien quelque part de la borne haute pour mieux repartir à la baisse sur le CAC 40 par exemple sous le point pivot du jour. Donc là j'avais un scénario en attente par exemple, retracement de FIBO, retracement de FIBO, mais avec des bougies lisses comme ça, pas, j'ai pas eu de rebond. Donc hop, ça a lissé, ça a lissé, ça évite potentiellement même un mauvais trade. Bon après on va voir si on rebondit là d'un coup ou pas. Mais c'est vrai qu'on a... excusez-moi. De plus en plus de mal sur cette zone des 925 en ce qui concerne le DAX sur cette zone ici des 190 en ce qui concerne le CAC 40. On pourrait très bien y voir ici justement un échec de la poursuite par le haut pour revenir chercher des prix médians et notamment des zones inférieures comme les 140 sur le CAC 40. Pareil, double test hein, sur le FTSE 100 ici pour l'instant, donc on a de plus en plus de mal à monter. Je vais revenir sur le chat du coup. Dis-moi Panda hein, du coup ce que tu penses du retracement. Dis-moi si tu veux aussi hein, que je vous montre un retracement plutôt à la baisse. Annabelle qui nous dit merci Jérémy, mais c'était sur la plateforme Admira. Ok, ça marche Annabelle, pas de souci. Will qui nous disait bonjour à tous. Bienvenue à toi Will. Trader qui nous disait hello. Bienvenue à toi Trader, tu nous disais... Ça brasse du bon matin, du coup, chez Admiral. Bienvenue à toi. Bah écoute, pour l'instant, démarrer, hein, et c'était un bon exemple aussi pour la psychologie, du concret aussi, c'est-à-dire deux trades perdants pour démarrer, enchaîner de deux trades gagnants pour l'instant. On va voir s'il n'y a pas d'autres opportunités, bien sûr. Mais c'est intéressant de souligner le point que la psychologie ici était du coup directement. Pas mise à rude épreuve, mais quand même, hein, dans le sens où on démarre avec deux trades perdants, il faut aussi garder la tête froide. Faut pas du coup pour autant tomber dans du revenge trading, prendre des mauvaises décisions parce qu'on veut pas respecter le plan, parce qu'on veut se récupérer aussi. Donc quelque part encore du revenge trading, bien sûr, mais qui peut voilà, qui peut intervenir sous différents visages, j'ai envie de dire. Kennedy qui nous dit bonjour à la famille, bienvenue à toi Kennedy. Sophia qui nous disait. Jérémy, hier j'ai testé le trading des inside bars du M15 H1, mais long backtest, ça donnait 60 à 70% du coup de taux de réussite, je pense que tu veux dire, mais hier en live j'ai fait que du 30%. Aurais-tu un conseil? Alors Sofia, sur très important, quand on parle backtesting, il faut que tu nous dis, enfin il faut que tu me dises par exemple sur combien de trades tu as backtesté du coup ta stratégie. Du coup, le taux de réussite, tu nous disais entre 60 et 70, mais qu'en est-il aussi du ratio? Et du coup, voilà, sur combien de trades tu as backtesté ça, et en gros, bah, sur quelle période de temps aussi au final. 88 likes jusqu'à présent, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de liker. Ici, il est 9h30, on est à la mi-séance pour l'instant de notre live. Donc, n'hésitez pas avec les likes, bien sûr. Partagez aussi un maximum pour qu'on puisse toujours continuer de faire ces séances ensemble, voire plus. Et du coup... Hop, ici, on va continuer de voir encore pendant un peu moins d'une demi-heure. Vous savez, les mardis, je dois vous quitter un tout petit peu plus tôt. Je vous referai un petit récap de marché aussi. Mais il est en train de se passer, justement, du coup, cette réaction en deux temps des niveaux supérieurs, hein, aussi bien sur le FTSE que sur le DAX, que sur le CAC. On est en train de repartir plutôt côté baissier, ici. Ouais, on est en train de repartir plutôt sur de la baisse. Je vais peut-être vous faire un petit exemple justement aussi avec le mini terminal ici. On va voir si on a un scénario qui se développe ici après un petit retracement.
tout le scénario autour de la borne basse, des scénarios. Mais bon, là, le marché est parti pour l'instant. On va voir si on respire pas un petit peu. Arrivé un petit peu tard, mais avec les ordres limites, vous pouvez obtenir le prix souhaité du moment que le prix respire, bien évidemment. Donc, on va voir ici petit exemple d'ordre limite placé du coup. Il est placé ici autour des 7172,50. On va voir si le marché peut respirer autour de la zone. Je vais décaler un petit peu sur les 72, 71, 95 même. Et on va voir du coup si le break peut donner suite après un petit peu de respiration ici. N'hésite pas, Sophia, à me dire. Hein. Du coup, Lovnad, alors attends, Lovdan qui nous disait, excuse-moi. Hein. Du coup, où sont les carnets d'ordre, footprint, etc. Alors ici, tu es sur du marché CFD, hein, chez Admiral, qui est un broker CFD. Tu vas pas avoir du footprint, tu vas pas avoir des carnets d'ordre. Tout ce que tu retrouves sur les marchés futurs, on est sur du CFD ici. Tu as des CFD sur cash, CFD sur futur, mais tu ne retrouves pas du coup tous les éléments d'une plateforme que tu peux avoir sur des marchés concrètement futurs, hein, avec le carnet d'ordre, le cumulative delta, du coup le footprint, etc. Binox qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Binox. J'espère que tu vas bien. JMC qui nous disait, et aussi comment enlever ce bip intempestif, merci. Alors quel bip tu entends du coup JMC? C'est de ton côté tu veux dire ou de mon côté? DOS qui nous disait DAX 40 M15 rejet du coup la moyenne mobile 200 et du coup en M30 donc en 30 minutes rejet de la moyenne mobile 100 et en H1 rejet de la moyenne mobile 50. Donc pas mal de moyenne mobile rejetée à l'heure actuelle clairement. On va peut-être avoir la poursuite du coup à la baisse. On a un CAC 40 qui n'a pas suffisamment respiré, malheureusement, pour déclencher ici. On a une très belle baisse sur le FTSE 100, regardez. Le marché qui est parti clairement à la baisse. Je ne l'ai pas vu arriver celui-là. Je l'ai pas vu arriver. 13 pips de, 13 points de baisse, pardon, déjà. On a en fait vraiment un double top ici, ML. Double sommet ML, puisque c'est des carrés bleus ici qui nous indiquent les sommets ML, donc ils sont tous les deux au même niveau. C'est la figure chartiste double sommet, et du coup cassure par le bas, et on se retourne en fait directement. La tendance qui se retourne ici. Voilà, le CAC ici qui a pas voulu respirer, dommage. On va voir, mais bon, plus on évolue dans le scénario, et moi je vais laisser ce scénario en attente du coup. En tout cas, bah, attendre tout simplement. Pourquoi? Parce que l'idéal ici, justement, ça aurait été d'aller chercher un premier TP autour de cette zone-là, autour des 65. Je vais même l'annuler le scénario, puisque même si on retrace ici, la partie du scénario était déjà entamée, donc ça vaut plus le coup. On va attendre de voir si on a quelque chose qui pointe le bout de son nez, bien sûr, sur cette baisse du CAC 40. Baisse aussi du DAX pour l'instant. On a aussi Yao qui nous dit bonjour Jérémy, bienvenue à toi. Yao, tu nous dis, pourrais-tu nous faire une petite démo de l'utilisation des Fibos, s'il te plaît? Ouais, alors on en a fait une tout à l'heure. Je vais vous partager aussi l'article du coup concernant Fibonacci, mais on va refaire d'autres petites choses sur Fibo si vous voulez. Alors, je vous partage l'article. Ici dans le chat. On va regarder ça bien sûr. Alors j'aimerais des jolies petites vagues. Hein. On va regarder de toute façon. Il faut qu'on aille voir l'USDJPY, l'USDK, le BTC également. Ça nous donnera peut-être l'occasion. Will qui nous dit du coup, est-ce nécessaire de connaître tout le glossaire pour s'en sortir? Du coup, ou est-ce que le vocabulaire que tu emploies pendant les séances est suffisant? Moi, je dirais que le vocabulaire que j'emploie dans les séances est suffisant. On peut toujours aller plus loin, mais après. En trading, il faut faire attention à un élément aussi, et je sais de quoi je parle puisque j'y suis un peu passé. C'est qu'au bout d'un moment, on peut aussi se dire, je connais un peu trop d'informations. On en apprend tellement qu'on sait qu'il y a tellement de méthodes différentes possibles que des fois, on se retrouve paralysé. On ne peut pas prendre un trade par exemple parce que, eh bien, on a des raisons d'acheter, on a des raisons de vendre selon les techniques qu'on a apprises en fait.
Et à partir de là, eh bien, ça se corse un peu parce que bah, faut quand même pouvoir trouver des opportunités. C'est à partir de là que j'ai commencé à simplifier, à nettoyer beaucoup de choses du coup, dans mon trading et à revenir sur des choses bah, simples, en fait, tout simplement, et pour autant pertinentes. Donc voilà, le vocabulaire que j'emploie normalement est largement suffisant, à mon sens en tout cas, oui. Will qui me disait, du coup, je parle du glossaire présent sur le site. Oui, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Après, bien sûr, bah voilà, hein, tout ce qui est CFD, tout ce qui est termes, ordre limite d'achat, ordre de limite de vente, ordre buy stop, buy sell, c'est des choses qui a besoin de savoir, bien évidemment. Des choses qu'on va pouvoir utiliser de manière concrète. Mais après, c'est vrai que, bah, par exemple, tout simplement, si tu as des questions sur ça, sur certains mots, certaines idées, etc. en trading, n'hésite pas et je pourrais aussi te. J'aime souvent, en fait, si tu veux. Pas vulgariser, mais tout simplement, comment dire, simplifier. Voilà, des choses qui paraissent compliquées, j'aime bien simplifier les choses parce qu'au final, c'est pas plus complexe que ça la plupart du temps. Joanne qui nous disait bonjour, toujours à l'achat sur les 15 600, objectif 16 020, ça marche. Je te souhaite que ça pousse, hein, à la hausse justement. Ici Joanne. Et tu nous parlais des 15 910. Panda qui nous dit merci. Effectivement, j'ai des difficultés à choisir les bons sommets et les creux sur les fibos. Donc, regarde bien, Panda, l'article fibo que j'ai partagé dans le chat ici. Ça va aussi t'aider. Je donne pas mal de petites astuces là-dessus. JMC qui nous disait, est-ce que les cours de l'or n'est pas en train de casser ce triangle ascendant, du coup, envisagé sur une position à la hausse? Alors, sur quelle unité de temps tu vois le triangle du gold? C'est celui dont je parlais tout à l'heure? Alors attention à une fausse cassure possible, puisqu'on a une R2 qui est testée depuis tout à l'heure et qui marque aussi sa présence, hein, j'ai envie de dire. JMC qui nous dit aussi merci pour le point pivot éventuel, j'ai trouvé parfait JMC, je t'en prie. Jérémy qui nous dit du coup 30 pips restants, top. Top Jérémy, j'espère que ça va y aller. Yon qui nous dit salut, bienvenue à toi Yon. Et Johan qui nous dit du coup hier on a assisté à la fin de la correction et ce soir on sera sur les 16 020 voire plus. Les indices Riquin du coup sont en dessous du point pivot, donc avantage à la hausse et le VIX se croise et objectif sur les 18. Ça marche, merci pour le partage Johan. Soufia qui nous disait j'ai backtesté sur 400 trades avec un ratio de 1 pour 1. Ah ça c'est bien, ça c'est bien, 400 trades à un ratio de 1 pour 1. Alors quand tu as backtesté, du coup étudie aussi tout simplement les phases dans lesquelles tu as évolué. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux te faire des statistiques aussi à la journée. Et peut-être que déjà dans le passé, c'est arrivé que tu aies une journée à seulement 30% de taux de réussite comme tu l'as eu hier. Si ce n'est pas le cas, ça soulève un peu plus de questions. Si c'est déjà le cas, tu sais que c'est quelque chose qui peut t'arriver dans ta méthode et que pour autant, si tu continues sur le long terme, ça peut quand même être très intéressant puisque, bien sûr, hein, quand on parle d'un ratio de 1 pour 1, pour des taux de réussite entre 60 et 70%, c'est un système bien sûr gagnant. Donc je t'invite à bien étudier ça. Après, aussi, Soufia, vraiment l'élément qui sera déterminant pour ça, c'est est-ce que la stratégie que tu as backtestée et que tu emploies est systématique? Si elle est discrétionnaire, malheureusement, ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'il y a beaucoup plus d'erreurs possibles dans ton backtest. Et ce n'est pas des erreurs parce que tu es débutant ou expérimenté ou quoi que ce soit. C'est des erreurs de l'être humain parce que des fois, bah, on ne voit pas tout sur. On ne tient pas compte de tous les trades. Des fois, on est un peu biaisé parce qu'on veut essayer de faire des statistiques qui sont très bonnes, etc. Et c'est pour ça qu'il faut rendre le scénario, en tout cas l'étude à la fois de tes statistiques et à la fois ta stratégie. Vraiment rendre les deux, si tu veux, le plus systématique possible. Je parle d'expérience, hein, puisque j'ai fait exactement ça aussi au départ. Souvent, je tombais sur des backtests qui étaient très très bons. Et en fin de compte, des fois, je m'apercevais, oh, bah, tiens, c'est vrai que refaire, 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 refaire encore le backtest à la main. Ah bah oui, tiens, ici, il y avait un trade que j'avais oublié de comptabiliser. Ah bah tiens, celui-là, c'est vrai que du coup, en fin de compte, j'aurais dû le prendre. Ce genre de choses, tu vois, parce que les règles n'étaient pas si full systématiques, c'était plus discrétionnaire. Philippe qui nous disait bonjour à tous, y a-t-il une possibilité de colorier entre une moyenne mobile et le prix? Alors, pas à ma connaissance sur MetaTrader, non. Annabelle qui nous disait du coup, Jérémy, pourrais-tu nous remettre le lien du rendez-vous de ce soir? Pas de souci. Pas de souci, je vais aller vous le chercher. Alors, attends, je vais carrément glisser là, ça sera plus simple. Dans formation webinaire. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là.
vous remets le lien, je vais l'épingler d'ailleurs, hein. J'aurais dû laisser épingler le message tout à l'heure. Quentin qui nous dit bonjour, tout le monde, bienvenue à toi Quentin. Alors, je devais vous le dire aussi, hein. Déjà merci pour les 102 likes, ça fait super plaisir. J'espère vous passer une bonne matinée pour l'instant. Orienté que à la hausse depuis le début, sauf avec ces maintiens, bien sûr, vous l'avez vu, hein, des doubles tests réalisés sur le CAC, le DAX et le FTSE. Et du coup, plutôt orienté désormais sur de la baisse. Donc, on va voir si on a de la respiration sur le CAC, par exemple. Idéalement quand même de retour autour des 70. Mais si je vous montre ici à mon système, on est plutôt dans un range piégeur possible sur le DAX, sur plusieurs unités, sur de mouvement bien sûr, unité de mouvement, sur le CAC aussi. Je vais quand même rester assez prudent. Mais voilà, je devais vous dire, exceptionnellement demain matin, pas de live, je ne serai pas disponible, du coup il n'y aura pas de live exceptionnellement demain matin. Par contre, du coup, on se retrouvera du coup dès jeudi matin ensemble. Marc qui nous disait, du coup, je pense au bip de MetaTrader. Alors, pour les sons MetaTrader, tu peux aller dans Options, tu vois, dans Outils Options, et tu as Événements, par exemple, tu peux activer les sons ici ou tout simplement tout désactiver. Donc ça peut t'aider. Tu peux choisir ce que tu veux laisser, ce que tu veux pas laisser, etc. On va voir si on a un petit exemple ici de Roger. JMC qui nous disait non, c'est un bip de mon côté sur MetaTrader, une espèce de sonnerie. Merci à toi, je t'en prie. Yes, exact, nous disait JMC. Ok, parfait. Pascal qui nous disait bonjour Jérémy, peux-tu me dire du coup où trouver des formations sur des stratégies price action? Bienvenue à toi, Pascal. Alors, il y a des. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube Admirals, non, il y a même un article ou deux, il faudrait que j'aille voir, mais tu peux regarder et taper sur la chaîne YouTube, par exemple dans la barre recherche de la chaîne YouTube, quand tu es sur la chaîne YouTube Admirals, tu peux regarder et taper Price Action, tu trouveras, il y a quelques stratégies basées sur du pur Price Action aussi, bien évidemment. Alors c'est pas le même Price Action qu'on a ici, mais ça peut déjà te permettre d'étudier pas mal de petites choses. Hervé qui nous dit, j'ai du mal à être baissier, même lorsque tout indique une baisse quand tu as... Du coup, quant à long terme, le marché est haussier. Que me conseilles-tu? Alors, si tu veux, moi, par exemple, Hervé, typiquement, j'ai pas ce biais-là de me dire. Alors, il y a plusieurs éléments. Si ta stratégie implique que, par exemple, tu as un biais directionnel basé sur du journalier ou du H4 à respecter, là, tu ne te poses pas la question. Tu sais que tu as ce biais-là de toile de fond à respecter et que tu vas chercher que des achats dans ta séance si ton daily et ton H4, par exemple, sont haussiers. Après, si tu fais une méthode de trading un peu différente, dans laquelle tu peux aussi bien acheter que vendre le marché, une fois que tu as les informations bien sûr nécessaires, mais que tu n'as pas forcément ce gros biais derrière directionnel, hein, bien sûr, qui va te bloquer, il faut passer, si tu veux, la barrière vraiment de se dire, je suis sur un indice boursier, les indices boursiers en règle générale ne font que monter dans le temps, etc. Oui, très bien. Mais dans une séance, il peut se passer véritablement beaucoup de choses. Et on l'a clairement vu avec des séances où il y avait des pertes de 200 pips sur le DAX. Quand je dis pertes, ce n'est pas des trades qui étaient perdants, c'est des cours qui ont chuté de plus de 200 points. Il y a eu plus que ça même, etc. Donc, moi, si tu veux, je suis vraiment dans une approche où je suis ce qui se passe sur le marché. Si le marché a envie de monter, est-ce que j'ai une opportunité? Si le marché a envie de baisser, est-ce que j'ai une opportunité avec ma méthode d'analyse, avec mes outils et avec du coup les signaux que je recherche dans ce contexte-là? Tu vois, donc tu as deux éléments. Soit ta stratégie tient compte de gros filtres de tendance comme ça. Il y en a qui vont regarder même le monthly, le daily, le H4. Si tout indique la hausse, ils vont rentrer sur des graphiques 15 minutes, par exemple, peut-être, et ne chercher que des billets haussiers. C'est une façon de faire. Mais ça implique aussi
de passer beaucoup plus de temps d'analyse, de passer beaucoup plus de temps sur ces graphiques pour trouver ces opportunités que de rebond, etc. Moi, je suis plutôt dans une approche vraiment trading plus court terme. J'ai mes séances le matin, l'après-midi, par exemple. Et à l'intérieur de cette séance, j'ai un certain contexte, en effet, mais ensuite je le compile avec d'autres choses, bien sûr, du pure price action, qui me permet des fois, dans une seule et même séance, de faire des scénarios à l'achat, de faire des scénarios à la baisse, et c'est pas pour autant qu'il y a un gagnant, un perdant, des fois les deux sont gagnants, etc. Donc, ça dépend des méthodes qu'on emploie clairement et du choix qu'on va faire. Est-ce qu'on se limite par rapport à des gros billets directionnels, ou est-ce que du coup on laisse en fait, entre guillemets, la porte ouverte à vraiment du trading plus actif au sein même d'une séance? Vous l'avez vu déjà dans ces lives avec vous, hein, des fois j'achète et je vends le marché, le même actif au cours de la même séance, parce que du coup les choses font que à ce moment-là, oui, il y a le potentiel qui est bien là de la hausse, et une demi-heure plus tard, eh bien c'est plutôt de la baisse qui est à prendre. Donc voilà, dis-moi si ma réponse t'oriente bien, hein, Hervé. Clairement, j'essaye d'être le plus simple possible et pour autant le plus complet possible. Sufia qui nous disait merci beaucoup pour cette explication très claire. Je vais voir du coup ça de plus près. Avec plaisir, Sufia. Annabelle qui nous disait merci, je t'en prie, Annabelle. Et Stephen qui nous disait pas de live. Bigre, merci pour la qualité des lives. Merci à toi, Stephen, d'être avec nous aussi. 111 likes, ça fait extrêmement plaisir. En effet, voilà, demain matin, pas de live exceptionnellement, mais on recommence rapidement derrière. Branas qui nous disait bonjour tout le monde et bonne année. Bienvenue à toi, Branas. Excellente année aussi à toi. La santé, la réussite, bien sûr. JMC qui nous dit merci pour le bip, c'est fait à ce soir ou jeudi. Avec plaisir, JMC, avec plaisir. Trade 971 qui nous disait bonjour, canal baissier en H1 sur le CAC. On va regarder ça si tu veux. Un petit canal baissier en H1. Alors ici, tu vois, pendant qu'on parlait, j'ai pas regardé, mais il y avait ici peut-être une petite opportunité, tant pis pour le moment. Allez, sinon on va voir ça comme ça. Un petit peu plus bas le prix. Juste pour faire une petite démonstration aussi avec le mini terminal, bien évidemment. On verra les choses, hein, ce soir aussi sur le mini terminal. Du coup, un canal baissier en graphique, tu nous disais sur le CAC horaire. Alors, ouais, on peut y voir un canal baissier, il est quand même relativement pentu. Mais c'est vrai qu'on a des respects sur la borne basse. Cassure, réintégration. On n'est pas encore sur la borne haute, par contre. On n'est pas encore sur la borne haute. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ça nécessiterait des respirations plus profondes encore. Et là, bah, justement, moi, par rapport en fait, à cette mèche-là ici, cette bougie-là. Il y a eu 4 points, mais c'est vrai que je suis rentré plus bas, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Il n'y a pas eu grand-chose. Donc là, de toute façon, cette opportunité pouvait marquer les derniers tests du coup d'un rebond. Et là, c'est du price action sur du bougie 1 minute. Soit justement, une fois cassé, l'élan. Donc après, c'est pour ça qu'on peut aller aussi coller plus proche son stop selon certains setups. D'autres setups qui nécessitent d'être plus loin. Là, je l'ai laissé quand même avec un petit peu cette barrière-là, mais de toute façon, si ça saute, ça saute. Mais comme je vous le disais, hein, clairement, de toute façon, c'était des probabilités beaucoup moindres, puisque ici, système qui m'indique un range possible, donc pas de baisse favorisée en fait. Donc, voilà, petit exemple sur graphique en temps ici, ça ne donne pas pour l'instant sur le DAX et on se rapproche du stop loss. Trader qui nous disait, c'est cool d'être proche de vos clients comme ça, de bon matin chez Admiral. Merci beaucoup, Trader. Je fais ça, hein, clairement depuis maintenant, depuis 2016. Ouais, normalement, ça date de 2016, hein, les premiers lives que j'avais fait sur cette chaîne YouTube déjà. Et c'est vrai que c'est très pratique aussi pour déjà de 1, vous montrer des démonstrations des outils, vous tenir au courant de certaines choses, etc. Et en plus de continuer du coup à voir de manière concrète comment les marchés évoluent ensemble chaque matin. Est-ce que c'est pas du marketing quand j'écoute bien? Est-ce que c'est pas du marketing quand j'écoute bien? Comment ça, du marketing? Ah bah après, bien sûr, hein, ça peut être l'occasion de faire la promotion des outils, des services et de tout ce que propose Admiral. C'est fait aussi pour ça, bien sûr.
Mais bon, pour tous ceux qui y assistent, hein, je pense que vous êtes enfin, vous avez pu vous apercevoir que la partie marketing est très légère dans ces séances. Je fais vraiment un focus sur les marchés. Après, les conditions de trade, bien sûr, Shenmue, vous les voyez sous les yeux. Pour ceux qui ont des comptes déjà de démonstration, ou même réel Shenmue, vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc après, ça se fait plus ou moins tout seul. Hein. Donc le stop atteint sur le CAC 40 ici. De toute façon, il n'y avait pas les probabilités aussi élevées que d'habitude, puisque ici, zone grise sur du coup l'équivalent 5 minutes. Et que hop, le graphe 5 minutes nous montre ici, justement là, hop, la cassure, mais pour autant, pas encore d'éléments de confirmation d'une très belle tendance baissière. Donc à partir de là, les probabilités sont toujours plus petites. Voilà, il est 51, je vais devoir du coup vous faire le petit récap de marché. On va s'arrêter là aussi pour aujourd'hui, parce que j'ai des réunions aussi. Ici, je vais vous remontrer rapidement les graphiques horaires du DAX. On est au-dessus des du coup 925. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'on finit quand même au final par ressortir. De toute façon, le billet haussier qui était quand même majoritaire hein, ce matin sur le DAX, qu'on soit bien d'accord, on sort de cette petite box ici. En final, pour marquer une plus grande réintégration de la zone de range plus largement présente entre la borne basse des 880 et la borne haute des 900, du coup 70. On passe le niveau médian des 25 direction positive, donc la borne haute. Mais quoi qu'il arrive, on n'oublie pas qu'au final, une fois qu'on a atteint cette borne haute, c'est quand même du trading en range potentiel. En cas de cassure, attention, non loin de là, on a les 16 000 avec la R1 du jour en plus qui corrobore le niveau. Et si on finit par recasser ici par le bas le point pivot, on a toujours ces tests de creux possibles aussi. On n'oublie pas toujours trois conditions, trois scénarios possibles pour ces séances en fait. On est aussi sur un test borne haute à l'heure actuelle sur le CAC 40, vraiment du mal. On est un peu au-dessus des 175 avec le point pivot. Attention, pareil, hein, si on recasse ce niveau-là, c'est une borne basse puisqu'on est dans une zone de range à l'heure actuelle et en plus on a des vagues d'impulsion à la baisse. Donc c'est pour ça que la baisse serait intéressante. Après, il faut attraper le bon moment de cette baisse aussi sur le CAC 40 justement. Attention avec ce point pivot à confirmer. Sinon, en cas de cassure, on pourrait retrouver le test des sommets précédents, notamment de la R1. Et ici, attention, hein, en cas de rebond de la borne haute, on pourrait aller chercher la borne basse, mais si ça se maintient, trading en range également présent. Du côté du FTSE 100, on va regarder ça, range très très largement présent. Pour l'instant, on a même des zones qui sont à l'intérieur de ce range dans lesquelles eh bien on range aussi. Double test par le haut, trois tests par le bas avec un peu ce point pivot ici. Donc attention, on délimite rapidement ici une zone autour des 7490 par le haut pour les 7460 par le bas. Trading range à l'intérieur, break possible en sortie. Attention au niveau zone support et résistance. Du côté du S&P, on est en train de ici ranger un petit peu, même si on a une tentative de réintégration de la zone de range supérieure qui est le scénario haussier, mais qui réintègre une zone de range. Donc une fois qu'on est dedans, une fois qu'on rejette la borne haute, c'est encore du trading de range. Et sinon, cassure par le bas, point pivot et poursuite, bien sûr, ici. Du côté du dos, la même histoire, clairement, entre le point pivot et des creux autour des 36 000 et les niveaux ici des 36 125 points borne basse de l'ancienne zone de range, soit on range ici, soit on réintègre et au final on rangera une fois qu'on aura atteint la borne haute. Et sinon, ici, on passe par le point pivot pour casser et continuer la baisse. Du côté du Nasdaq 100, c'est un petit peu la même histoire, sauf qu'on est déjà en zone de range, non loin de la borne haute, avec notamment les 15 650 en rejet pour l'instant. En fin de compte, à plus court terme, on a même un petit range ici, dans un range plus grand, en fait, hein, dont on parlerait, avec les 15 700 par le haut et les 15 525 par le bas. Attention, sinon, en cassure du point pivot pour la poursuite de la baisse également. Un rapide point sur le gold également. Le gold qui continue sa tendance haussière, mais sans grande respiration. Donc ça pousse. Hein. Du moment qu'on n'est pas déjà dedans, ça ne sert plus à grand-chose puisque le mouvement est déjà élancé. Donc tendance haussière, besoin de respirer autour du point pivot mensuel, ça serait plutôt pas mal. Sinon, la R1 et attention au range aussi possible, bien sûr. Et alors, en phase de respiration, si on respire trop, on peut repartir aussi sur l'ancienne zone de range côté externe dans un premier temps. Le pétrole confirme bien la réintégration jusqu'à présent de cette zone de range présente entre les 81,50 et les 83. Attention, direction la résistance R1 pour le moment. En cas de sortie du point pivot par le bas, c'est le test du creux précédent dans un premier temps. J'ai pas eu le temps, je suis désolé, hein, j'ai pas eu le temps. L'USDJPY, l'USDCAD, le Bitcoin et l'Ethereum, on va peut-être passer dessus très très brièvement. Je vais devoir pas tarder à y aller. On est en train de casser la zone de range dont je vous parlais sur l'euro dollar avec cette fameuse zone de résistance cassée pour l'instant des 1,1345. On a le GBP/USD ici aussi.
up qui casse du coup sa zone par le haut. On franchit à la fois les 1,36 et la R1 pour le moment. Attention au retest ici et en cas d'échec des retests, réintégration du coup up comme ceci de la zone de range. Allez rapidement l'USDJPY, on est repassé sous les 115,50, pardon. La tendance haussière n'est pas remise en cause, par contre le test des 115,50 sera déterminant pour la suite. Donc voilà, ici vous voyez bien que ça hésite un petit peu, ça commence déjà à consolider entre les derniers sommets et les derniers creux. L'USDCAD autour des creux précédents, je vous parlais aussi d'une épaule tête épaule possible ici avec une ligne de coup à casser en fonction aussi du PPSA intermédiaire mensuel. Donc voilà, ici on est sorti de la zone de range, on revient à la travailler un petit peu. Attention, un petit peu piégeur quand même pour l'instant. Le Bitcoin toujours autour du test support des 41 000. On a toujours ce range présent avec les 41 000 sur une borne basse et une borne haute des 42 580. Donc on va dire même les 600 tout simplement. On est en train de rejeter la borne haute pour l'instant. Attention, trading en range. L'Ethereum, on est autour du seuil clé des 3050. On va avoir ici la cassure de ce flag baissier dont je vous parlais. On a été chercher le test du creux précédent et pour l'instant, on réagit. Donc attention, on commence à consolider également sur l'Ethereum. Voilà pour le petit point marché pour finir cette séance. J'espère que vous avez passé une excellente matinée. Je commence seulement à avoir des confirmations d'un billet baissier à court terme ici en équivalent 5 minutes sur le CAC. Pareil pour l'équivalent 1 minute sur le DAX et le 5 minutes aussi qui commençait à partir sur de la baisse. C'était déjà le cas sur le FTSE 100, le gold qui continue sur de la hausse, le GBP qui est bel et bien haussé et l'euro-dollar qui a du mal à poursuivre à la baisse. Voilà pour finir cette séance, je vais finir avec les commentaires. 113 likes pour la séance, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui ont liké. Trader, alors Sophia qui nous est du coup, Trader, ton pseudo est génial. Xtos qui nous est, merci, je t'en prie. Michael qui nous est du coup, tout à fait, pardon. D'ailleurs, ne change rien, Jérémy, tu es au top, tu m'as vraiment fait évoluer, merci à toi. Merci beaucoup, Michael, clairement, super message, et ça me fait clairement plaisir d'entendre ça, en tout cas de le lire. Merci beaucoup pour ton retour. Ce genre de retour, hein, ça fait toujours vraiment plaisir. Annabelle qui nous dit, du coup, non, il l'a dit, et c'est pas du marketing. Du coup, c'est pas du marketing, justement. Ah, d'accord, ok, trader, ça marche. Je savais pas comment prendre ta question, excuse-moi. Tac, 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 on en était où? Bobo, voilà, qui nous est le CAC en H1. Je vois un mouvement aussi possible à la fin du canal baissier. Alors, si tu as une confirmation de cassure, oui, potentiellement. Mais pour l'instant, moi, en tout cas, la borne haute que j'ai vue, on n'y était pas tout de suite. Hein. Istos qui nous est, du coup, merci pour cette séance. Bonne journée à tous et à toi, Jérémy. Merci beaucoup, Istos. De toute façon, on se retrouve tous ce soir pour ceux qui seront dispo, bien sûr, à partir de 20h pour l'événement. Du coup, le webinaire attendu. Will qui nous disait merci beaucoup et à ce soir avec plaisir. Will, Bobo qui nous disait, hop, je l'avais lu, pardon. Damien qui nous dit merci, Jérémy. Et bonne journée à tout le monde. Merci à toi aussi, Damien. Trader également qui nous dit, Sophia, merci. Si tu comprends, c'est que tu es un bon. Johan qui nous disait, ici, c'est pas du marketing, on n'est pas, on est un petit trader et chacun, du coup, apprend à trader tous les jours avec des astuces différentes. Clairement, ouais, bien résumé, Johan. J'adore ton message aussi. Hein. Philippe qui nous dit, merci, Jérémy, et à ce soir, avec plaisir, Philippe. On avait aussi Audrey qui nous dit, bonjour, bienvenue à toi, Audrey. Mais c'est la fin de séance, hein. N'hésite pas à regarder le replay si tu veux. Sophia qui nous dit aussi, bonne journée, merci, Jérémy, avec plaisir, Sophia. Trader qui nous dit, parfait, à jeudi, Jérémy, merci, je t'en prie, trader. Très, très bonne journée à toi aussi. Moïse également, bonne journée à toi. Laurent aussi, merci à vous tous. Très, très bonne journée. Je vous dis, du coup, à ce soir pour le prochain événement webinaire attendu. Du coup, comment calibrer vos trades, du coup. On parlera de pas mal de petites choses intéressantes. Et sinon, prochain live, du coup, jeudi matin. Merci à vous tous. Branas qui nous dit bonne journée aussi. Merci, Jérémy. Une première pour moi, ça marche. J'espère que ça t'a plu, Branas, en tout cas. N'hésite pas à me faire des retours lors du prochain webinaire ou du prochain live. Ce sera avec grand plaisir. Très, très bonne journée à tous. Très bon trading. Et je vous dis à ce soir.